Donc ce soir, nous allons tester le fameux maïs à éclater. Vous noterez que le terme à éclater ne signifie rien et ne nous aide pas. Alors peut-être qu'il s'agit d'un maïs qui éclate tout seul, mais c'est pas très clair. Vous pourrez tout de même noter qu'il y a écrit maïs pour popcorn, mais encore une fois, le terme popcorn dans la langue de Molière ne veut strictement rien dire, donc c'est voilà, on reste dans le flou. Vous noterez quand même le petit sourire un peu vicelard et l'œil un peu pervers du cuistot qui semble vous faire coucou avec un fouet. Moi, je trouve ça un peu tendancieux. Hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, moi, ça m'intrigue. Et voilà, quand on ouvre la barquette, ben, on peut voir ce fameux maïs à éclater qui, d'ailleurs, ne semble pas éclater tout seul. Alors, peut-être faut-il l'éclater? C'est donc ce que nous allons faire. Et comme rien n'est précisé sur l'emballage en termes d'utilisation, nous allons éclater ce maïs. Voilà, donc comme je le disais, nous allons donc éclater ce maïs. Ça a l'air d'objets divers et variés qui nous permettent d'éclater des choses. Mais en l'absence de lance-roquettes ou de grenades en ma possession, je vais utiliser un objet plus courant, c'est-à-dire un marteau, comme vous pouvez le voir. Donc essayons, voyons voir ça. Ça ne semble pas marcher des masses, mais bon. Nous allons donc tester autre chose. Figurez-vous qu'après une petite recherche sur Internet, il est indiqué que pour le terme pop-corn, nous pouvons également utiliser une poêle, à défaut de machine adéquate. Mais bon, comme je n'ai pas le temps d'aller acheter une machine pour faire du pop-corn, je vais donc utiliser une poêle pour éclater ce maïs. Comme ceci. Vous noterez que ça marche légèrement mieux, mais encore une fois, ça ne semble pas être très comestible en l'état. Et bien entendu, peut-être qu'avec une utilisation plus conventionnelle de la poêle, cela pourrait, je dis encore, pourrait fonctionner. Mais bon, pour l'instant, rien de probant. Et donc voilà, avec une utilisation adéquate de la poêle, et ben ce maïs éclate bien. D'où le terme maïs a éclaté et non pas popcorn. Voilà que tout s'explique, n'est-ce pas? Et bien voilà le résultat de notre fameux maïs éclaté, une fois éclaté. Ce qui donne bien du popcorn apparemment. Encore une fois, c'est assez louche, mais bon, c'est concluant. Un peu cramé par endroit, mais bon, je ne vous dirai pas si c'est bon, ça vous ne le saurez jamais. Et sur ce, bonne soirée!